Salut, salut à tous, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui fidèles. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Karine, de Mohamed, de Vincent et d'Olivier. Alors je dois te dire, Karine, que je suis d'une jalousie que tu ne peux pas imaginer, parce que je trouve que tu as une coiffure absolument magnifique et que je me dis que jamais je ne pourrais être coiffé comme toi. Il n'y a aucune chance, même si je les laisse pousser, tu vois, pour essayer de les remettre sur le dessus, il n'y a aucune chance, je n'y arriverai pas. On n'est pas là pour parler de mes malheurs, parce que ce sont mes malheurs. On est là pour parler du pruneau, le pruneau d'argent. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous savez sur quel arbre pousse la prune? Oui. Alors, sur le prunier, bien entendu. Et le pruneau, c'est sur quel arbre? Le pruneau. Sur le pruneau? Le pruneau. Sur le pruneau? Non, sur le prunier aussi. Parce que le pruneau, ça n'est pas le mari de la prune. C'est tout simplement une variété de prune, mais qu'on a mise à sécher. Mais est-ce qu'on fait toujours sécher les pruneaux? Alors, on fait sécher les pruneaux depuis très très longtemps. Car imaginez qu'on a retrouvé des pruneaux séchés dans les sarcophages égyptiens. Vous savez, en Égypte, quand les aristocrates ou les gens ayant une position sociale un peu élevée venaient à mourir, on les emballait dans des bandelettes, on les mettait dans des très grandes tombes et de peur qu'ils ne meurent de faim, on leur mettait de la nourriture. Eh bien, parmi toute cette nourriture, on a retrouvé des pruneaux séchés. Mais les pruneaux n'ont pas toujours été sous cette forme-là. Parce qu'imaginez que dans les montagnes d'Asie, on a retrouvé certaines variétés de pruniers, donc qui étaient des petits arbustes, très épineux, pleins d'épines, on n'arrivait pas à toucher les fruits. Alors, ça n'avait aucune importance parce que les fruits étaient des toutes petites baies, des minuscules, minuscules, minuscules petites prunes, et qui étaient vraiment pas bonnes, pas bonnes, pas bonnes du tout. Et puis quand on les a découverts, ces pruniers, on a commencé à les greffer, et par le jeu des greffes, renouvelées souvent, on a réussi à obtenir les mêmes prunes que celles que nous avons maintenant du mois de juillet jusqu'à la fin du mois de septembre. Mais qu'est-ce que c'est qu'une greffe? Alors une greffe, c'est quand on prend la branche d'un arbre et puis qu'on la plante, après avoir fait une incision, dans un autre arbre. Et alors, ça donne le fruit de la branche qu'on a mis dans l'autre arbre. Et alors, par ce jeu-là, on est arrivé à avoir les variétés de prunes telles que nous les connaissons aujourd'hui. Comment les prunes sont-elles arrivées en France? Alors, elles sont arrivées en France parce que, tu sais, il y a eu des guerres, il y a eu des invasions, et chaque fois que les soldats partaient à l'étranger pour faire la guerre ou pour envahir un autre pays, ils découvraient dans les pays où ils allaient des arbustes, des fruits, des arbres qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et l'idée, c'était évidemment de les rapporter pour les planter et pour essayer de les faire pousser dans le pays d'où ils venaient. Alors c'est ce qui s'est passé avec la prune. On a découvert, on l'a ramenée, on l'a plantée en France et on a essayé de la faire pousser. Et on y a réussi. Et c'est ainsi que les pruniers se sont répandus un petit peu partout dans le monde. D'ailleurs, il y a des pruniers et des prunes, donc par conséquent, partout dans le monde. Plus ou moins bonnes. Nous, nous avons la chance d'avoir en France des prunes formidables. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez me citer plusieurs variétés de prunes? Est-ce que vous en connaissez? Oui, bien sûr, les quatchs. Les quatchs. Ah, dis donc, toi, tu es très forte, parce que les quatchs, c'est pas très connu. Et les reines Claude? Et les reines Claude, évidemment. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs variétés de reines Claude. Je ne sais pas si vous les voyez un peu. Vous avez d'abord une reine Claude qui est jaune, un très joli jaune comme ça à l'extérieur, et la chair, dès qu'on l'ouvre, est jaune également. Et puis vous avez une autre variété de reine Claude qui est rouge-violette, et puis quand on l'ouvre, la chair est jaune-vert, et puis vous avez une autre variété de reine Claude encore, qui est verte, alors complètement à l'extérieur, vert doré aussi, très 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 joli. Quelquefois elle prend même des tons un peu, elle est un petit peu pigmentée comme ça, elle est magnifique, et la chair est verte également à l'intérieur. Voilà les trois variétés de reine Claude qui poussent actuellement en France. Pourquoi ça s'appelle la reine Claude? Alors ça s'appelle la reine Claude parce que la reine Claude était le nom de la femme du roi François Ier.
Et alors, l'homme qui a rapporté le prunier en France, et qui s'appelait François Belon, trouvait que cette reine était si gentille, si amicale avec lui, l'aidait tellement dans sa démarche, qu'il a décidé, lorsque la prune est apparue pour la première fois, de l'appeler Reine Claude. Mais il n'y a pas que la Reine Claude. Il y a la couette dont tu parlais tout à l'heure, qui est bleu-violet. Hein, c'est bien ça. Et puis à l'intérieur, quand on l'ouvre, la chair est jaune et verte. Et puis il y a également une petite prune absolument merveilleuse, qui est la Mirabelle. La Mirabelle qui vient de l'Est de la France, qui est très jaune, avec des petits points rouges comme ça. Et ça fait des confitures absolument délicieuses et des tartes. Je ne vous raconte même pas comme c'est bon. Mais vraiment, je ne vous raconte pas, c'est une merveille, les tartes aux Mirabelles. Je vous dis ça parce que je suis du pays où on trouve des Mirabelles, parce que je suis né dans l'Est et que ma grand-mère me faisait tout le temps des tartes aux Mirabelles. Voilà pourquoi je vous dis ça. Comment on fait les pruneaux ? Alors d'abord, pour faire les pruneaux, il faut une prune. Il faut une prune et pas n'importe quelle prune. Il faut une prune qu'on obtient après avoir greffé à plusieurs reprises pour avoir la fameuse prune d'Agen, avec laquelle on va faire les pruneaux. La prune d'Agen, c'est celle-là. Alors, il y a encore quelque temps, on l'appelait la robe de sergent. Pourquoi est-ce qu'on l'appelait la robe de sergent ? Parce que la couleur de cette prune ressemble au costume des gendarmes au début du siècle. Alors, on l'appelait comme ça. Voilà pourquoi on l'appelle la robe de sergent. Agen, c'est dans quelle région ? Agen, c'est dans le sud-ouest. Et c'est une des capitales du rugby, j'allais dire la capitale du rugby, alors toutes les autres villes de la région m'auraient assassiné. Et alors on dit même que la prune aurait la forme d'un ballon de rugby. C'est vrai que c'est un petit peu la forme d'un ballon de rugby. Mais nous sommes allés tourner un reportage dans la région d'Agen, justement, où vous allez voir comment on cueille les prunes, car il y a des façons très particulières pour les cueillir, et surtout comment on les fait sécher. Et là aussi, c'est tout à fait spectaculaire. Regardez. Alors ça, ce sont des pruniers. On est au printemps, ils sont en fleurs. Là, les prunes ont été formées, elles commencent à mûrir. Et alors là, avec de grandes cannes, on les secoue, on les ramasse à terre, à la main, c'est fatigant, ça je peux vous le dire. Et puis ensuite, panier après panier, on va les déposer sur des claies qu'on emmène dans des fours, où là, on va faire en sorte que l'eau s'évapore. On est quelquefois d'ailleurs obligé de les passer plusieurs fois de suite dans le four afin de ramener le taux d'humidité de 60 à 23. Là, vous voyez, ce qu'on vient de voir, c'était la méthode traditionnelle qui se pratique encore. Maintenant, on fait mieux. Regardez, c'est un tracteur qui apporte de grandes corolles qu'on va déployer sous l'arbre. On secoue. Les fruits directement récupérés dans les bacs vont être emmenés à la coopérative, séchés en étuve. Et puis ensuite, vous voyez, là, on est en train de les introduire dans des grandes étuves. Vont être, après avoir été calibrés bien sûr, et puis ensuite on va les détacher un peu parce que quand ils sèchent, ils ont tendance à être collés les uns à côté des autres. Voilà, on les secoue, on va les trier, on les calibre, vous voyez, ils tombent au fur et à mesure dans le trou. Ensuite ils sont mis en sachet, tout ça est fait automatiquement, très soigneusement, de façon très hygiénique. Et voilà, les sachets, on les trouve en sachets, ensuite on les met en boîte, et puis ces sachets-là vont être expédiés, tous ces cartons vont être expédiés dans le monde entier, parce qu'en fait, le monde entier est absolument friand de nos pruneaux d'Agen. Vous savez, j'insiste bien, les pruneaux d'Agen sont les meilleurs du monde. Alors on en trouve évidemment beaucoup plus gros d'ailleurs, beaucoup plus gros, qui sont nettement meilleurs marchés, qui arrivent de Californie, mais je vous assure, ils sont vraiment moins bons. Est-ce que vous aimez ça, au fait, les pruneaux ? Je ne vous ai même pas posé cette question. Vous aimez ça ? Eh bien, puisque vous aimez ça, vous allez pouvoir en manger. Tenez, allez-y, servez-vous. Et est-ce que vous avez déjà mangé des pruneaux cuisinés ? Comment vous les mangez d'habitude ? Comme ça ? Mmh. Attention, n'avale pas le noyau, Mohamed. Hein ? Attention, hein ? Toi non plus. Vous les mangez que comme ça ? Vous les avez jamais mangés dans un gâteau ? Si. Qu'est-ce que vous faites comme gâteau ? Un flan. Un flan ? Eh bien, un phare breton. T'es breton, toi, non ? Non, mais on aime bien la Bretagne. Vous aimez bien la Bretagne, alors vous faites... Eh bien, on va faire ni un flan, ni un phare. On va faire un clafoutis au pruneau. Ça vous amuse d'apprendre cette recette ? Oui. Tu sais déjà faire un clafoutis, non ? Non. Tu voudrais savoir ? Oui. Eh bien, alors, venez, on va dans la cuisine. Je vais vous apprendre à faire un clafoutis au pruneau. Non.
Alors donc, nous avons décidé, on va faire un clafoutis aux pruneaux. Alors, j'ai mis à tremper les pruneaux il y a à peu près 2 heures. Je les ai mis à tremper dans l'eau tiède, mais on peut les mettre à tremper dans le thé si on veut, ou dans une tisane, ou dans ce qu'on veut. Mais là, c'est de l'eau tiède. Vous allez, messieurs, Mouawed et Olivier, vous allez me les dénoyauter. Hein? Alors allez-y, vous commencez votre petit travail. Prenez ça un par un. Non. Vous n'avez pas besoin, quand regarde, là, ça s'ouvre tout seul. On enlève le noyau, on le met là, vous les mettez là-dedans. Il y en a 22. Hein? Il faut 22 pruneaux. Ensuite, il nous faut 5 cuillères à soupe de crème liquide, il faut 4 cuillères à soupe de poudre d'amande, 4 cuillères à soupe de sucre semoule, il faut 3 œufs et il faut une gousse de vanille. Alors, on va commencer par couper la gousse de vanille en deux, comme on le fait d'habitude parce que on a de la très bonne vanille et qu'on a envie d'en avoir le parfum. Alors, tu vois, tu savais faire ça, toi, je suis sûr, puisque tu cuisines. Tu vois, tu grattes tout ça pour que tous les petits grains tombent, et c'est ça qui va donner le goût. Alors là, maintenant, je vous laisse entièrement faire. Vous allez d'abord... Là, voilà, cassez-moi les œufs, mes chéris. Non, les œufs. Cassez-moi les œufs. Voilà. Ça va, les petits loustiques, on dénoyote ? C'est bien. Voilà. Remettez tout ça là-dedans. Vous battez tout ça en omelette. Ça, alors, toi, véritablement, tu ne mets pas de Karine. Bien comme il faut, il y a encore un jaune qui n'est pas... Et voilà. Et ça, j'ai appris l'autre jour à quelqu'un de faire ça. Tu fais ça formidablement parce que tu aères un petit peu les œufs. C'est formidable. Là, maintenant, on verse la crème. Allez, vas-y, Vincent. À toi de battre, maintenant. Non, mais vous avez des études de cuisinier, non? Non. Alors ça, je n'en reviens pas. Alors, on ajoute la poudre d'amande, on ajoute le sucre et on bat. Mais on a affaire là, vraiment. Alors là, vous m'épatez, hein, tous les quatre. Oh, dis donc. Alors, en ce qui concerne nos pruneaux, ça va très bien. Vous, ça va très bien. Là, il faudrait... Ils sont finis, les petits bougres. Eh ben, allez-y, mettez-moi les pruneaux là-bas dans le fond. Mettez-vous là-dessus. Ça... Tiens, allume-moi vite le four, s'il te plaît. J'ai oublié. 200, tu le mets... Oh, mets-le à 220, va, parce que comme j'ai oublié... Normalement, c'est 200 au début de la recette. Vas-y, mets-moi les pruneaux dans le fond. Ah, tu veux les faire comme ça, toi. Bon, c'est vrai que dans le fond, c'est pas plus mal. Vas-y, étale-les un petit peu. Voilà. Ils font pas mal, hein, finalement. Ouais. Pour des débutants. Mmh. Un petit peu partout, parce que là, je vois ce que tu es en train de faire. Tu te prépares ta part, toi, avec beaucoup, beaucoup de pruneaux. Et puis, tu oublies un petit peu la mienne, non? C'est pas ça que tu es en train de faire. Alors, vas-y, verse ça là-dessus. On va, évidemment, ne pas mettre la gousse de vanille. On va essayer de l'éviter. Attends, là, on peut prendre ses doigts, tu vois. On va prendre ça, la gousse de vanille, elle a parfumé l'appareil. Voilà, on fait bien tout couler. Tu sais, je suis pas. Je suis un peu économe. Oui. Voilà, ça c'est parfait. Regarde, c'est tout à fait bien cette affaire-là, non? Alors on va mettre ça dans le four à 200, on l'a vu. Regardez. Hop! On va attendre que ça cuise. Et pendant ce temps-là, on va aller dans la serre. On va se préparer car on va se régaler avec ça. Dès que c'est cuit, je vous l'apporte. Allez vous installer, mes enfants. Voilà. Alors, je ne vous dis pas « voilà le clafoutis ». Je vous dis « voilà votre clafoutis ». Parce que là, franchement, c'est vraiment vous qui l'avez fait. C'est ça qui te fait rire? Oui. C'est les petits gants. T'as jamais vu ça? Non. T'as jamais vu des petits gants comme ça? Regarde. Alors, je voudrais, Karine, puisque c'est toi la maîtresse de maison et que c'est toi qui as fait en plus grosse partie avec Vincent le clafoutis, que tu nous serves. C'est à toi, maintenant. Tu es notre maîtresse de maison. Serre-nous. Attends, tu es un petit peu serré. Voilà. En attendant, je vous dis salut, salut à tous, à la semaine prochaine, si vous le voulez bien, il y aura un nouveau produit et il y aura de nouvelles recettes.